Coucou à tous. Alors, on va commencer une deuxième série. Qui va s'appeler, en fait, mes choix par catégorie. Donc, on fera... Genre, aujourd'hui, on va commencer par... les Monster Trucks. Les Monster Trucks. Donc, on va essayer... Je vais essayer de vous dire, en tout cas, pour mes choix, si vous voulez un Monster Truck, quelles sont les disponibilités possibles. Qu'est-ce que vous pouvez... avoir acheté dans cette catégorie. Alors, par Monster Truck, on entend quoi? On entend des grosses roues, un châssis relevé au milieu et des diffs plus bas. Voilà. Ça, c'est la définition normale d'un Monster Truck. On verra qu'il y a 2-3 petites exceptions qui font qu'on peut appeler ça Monster Truck quand même, parce que c'est un châssis plat, mais ça a quand même plutôt la garde au sol, voilà, avec des grosses roues, l'empattement, la largeur de voie fait que c'est plutôt un Monster Truck. Donc, le plus petit, le moins cher, c'est le LC Racing MT. C'est du 1/14e. Ça a une jolie petite gouille. La carreau, elle est magnifique. C'est un peu une Ford Raptor, comme ça. C'est tout petit. Par contre, ça a de la wash. Vous l'avez vu, c'est un peu le comme le crapaud de chez Mani. C'est en 2-3S. Franchement, c'est topissime. Honnêtement, c'est pour vous éclater sur des terrains pas trop défoncés. C'est franchement, c'est excellent. LC Racing MT, 1/14e, à peu près dans les 200 euros. En neuf, hein, encore une fois. Après. Ensuite, on va aller dans la un peu plus cher. Obao Granite. Arma Granite 3S. Big Rock 3S. Deux bons MT, simples, pas trop cher, surtout solides, ça prend. Moi j'ai expérimenté le mien qui était un méga à la base, que j'ai passé en 4S brushless avec un moteur, du Traxxas Max, franchement ça tient le coup, franchement ça, c'est incroyable cette bête. Je peux que recommander, ça coûte dans les 350-400 euros selon les versions, selon les variateurs. Voilà, donc il y a un petit gap quand même entre les deux. Après, voilà, bon. 200-350, il y a quand même 150 euros de différence, mais entre les deux, je vous les ai déjà dit dans la version de qu'est-ce que je peux avoir pour. C'est un peu la zone des dangers, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut y avoir? On peut avoir le fameux Serpent MT dans les 500 euros, 540 euros. Vous avez en fait un Serpent qui est lui plus un Muggy en fait, mais qui n'est pas un Muggy comme le Kraton parce qu'il a les voies plus étroites, donc ça fait vraiment plus MT. C'est le châssis du Truggy Serpent, éprouvé depuis des années, avec des grosses roues. Ça aussi, à part quelques faiblesses dans l'échappe, qui peuvent être changés facilement par du Owo par exemple, ça marche aussi, ça match aussi. On peut le driver d'origine, ça tient plutôt bien. Voilà, la carreau, je la trouve pas super belle, faut être honnête. c'est pas mon truc ça, tu vois. Tout de suite, c'est pas le. Mais bon, tu mets une belle carreau dessus, franchement, ça tape, et puis surtout le prix, 540 euros. Ça commence à être du bon, très très bon rapport qualité-prix, une électronique correcte, faire attention au fil, bien vérifier les montages de ces serpents, parce que des fois il y a un peu des surprises. Bref, vous vous renseignez sur le modèle, regardez chez Mani, il a fait des tonnes de vidéos dessus, c'est un modèle excellent, je pense un des meilleurs rapports qualité-prix pour un MT, mais qui n'est pas un vrai MT parce qu'il a un châssis plat. Hein. Ensuite, en occasion, et j'insiste en occasion, là on est aussi sur du 1.8, c'est le Arma Nero Big Rock 6S qu'on peut trouver en occasion dans les 350, 400, allez, 500 euros selon les équipements, les batteries, etc. Mais là par contre vous avez un truc de malade, vous pouvez avoir les diffs bloqués, vous pouvez avoir, ou pas parce qu'il y a des options, il y a l'option avec diff bloquable ou pas, hein, d'ailleurs. Vous avez un diff central, vous avez un slipper double disque, vous avez, c'est une tueriste bagnole,
un peu raide sur les suspects. Le dépattement est pas foufou non plus pour un NT de cette sorte-là. Mais globalement, quand même, ça le fait grave. Mais c'est plus que de l'occasion. Les pièces sont dispo qu'un. Donc faire gaffe aussi, faut savoir aussi, voilà, ce point-là, qu'il n'y a pas forcément une grande dispo des pièces. Après, moi, sur le mien, j'avais pas grand-chose cassé, hein, pour être honnête. C'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, on monte un tout petit peu le curseur, on arrive sur le Sun Reaper, que moi personnellement j'ai jamais eu, parce que c'est une mécanique à 1/8 rallongée, et je trouve que l'empattement, qui est quand même assez important, plus de 380, 400, va pas avec la mécanique en fait. Il y a juste un super moteur que vous pouvez monter en vitesse, à 1450 kW, un super étagement. Une électronique qui est correcte. Voilà, moi j'adore la version American Force dans les 600 euros, 600, ouais, RTA avec les grosses jantes, les gros machins, les voies énormes, les déports de ouf. Il a un look à tomber, la carrosserie est magnifique. Après, voilà, mécaniquement, ouais, je suis pas super fan parce que c'est vraiment un truc un peu stretché comme ça. Donc voilà, maintenant ça tient le coup, tout ça, mais là on commence à rentrer dans les prix, hein, voilà, 600 euros. Voilà, si t'es pas prêt à mettre beaucoup plus, tu peux t'arrêter à ces modèles. Voilà. Honte à moi, mais honte à moi, hein. Honte à moi. Alors là, bon, peut-être que vous y comprenez rien, mais je viens de finir la vidéo et je me suis rendu compte que j'ai oublié deux trucs. honnêtement, j'ai oublié deux trucs. Et deux trucs dans les MT, franchement, j'ai zappé, je fais pas de liste, je prépare rien. J'ai zappé. Donc, Traxxas Os, 530 euros. Donc là, normalement, on vient juste entre le Zen Reaper et le Hyper MTE. Et le MTE Serpent. Donc, je vais le placer là, ma vidéo. Et après, on sautera. Hein. Donc, Traxxas Os, ça vient de sortir il y a quelques mois. Voilà, une petite année. Base d'un slash 4x4. Ben, c'est avec des grosses roues. Franchement, ça tient le coup. C'est Traxxas. L'électronique, le moteur très très bien, les servos comme d'habitude sur Traxxas, c'est pas ouf, c'est pas ouf ouf, ça change, voilà, c'est pas un problème. 530 euros, voilà, ça commence à piquer, ça commence à piquer. Moi, si j'en prendrais un, par exemple, ça serait en occasion. Clairement, je dépense pas 530 euros dans un os, un slash avec des grosses roues, un petit peu. Hein. Pour résumer, c'est un peu ça quand même. Hein. Mais ça tient le coup, c'est vivace, c'est 3S, 3-4S, tu peux le mettre en 3-4S. Mais entre le granit 3S ou le bicroc 3S, il n'y a pas match. Hein. Prenez un granit, c'est beaucoup moins cher. Tu économises 150 euros, que tu peux mettre dans des batteries, tu peux mettre dans des options. Moi, je prendrais le granit. Donc c'est bien, mais en occasion, voilà. Pareil pour le grand frère ou le petit frère du X-Max ou le grand frère du Os, c'est le Max. Voilà. Alors là par contre, si vous voulez la machine qui est encore plus indestructible que le X-Max, mais il y a beaucoup d'autres défauts, après Brad en plus, c'est le Traxxas Max. Franchement, même mécanique, même conception que le X-Max. Un peu problème d'équilibre et d'origine. Voilà, il saute beaucoup, il est surtout beaucoup sur la roulette. Il se lève facilement, le poids est quand même très très en arrière. Les cardans d'origine, c'est une tannée, c'est une catastrophe à changer absolument. Le moteur, avec le ventilo et le radiateur, il fait ce qu'il peut, il se débrouille. Voilà, si on n'est pas trop exigeant, il se débrouille pas mal, mais l'important là, c'est changer direct les cardans. Moi, je vous conseille de prendre les AliExpress ou les Hot Racing, c'est les mêmes. Parce que déjà, 630 euros le max, ça commence à faire. Plus les 50 euros de cardan, ça fait 680. Tu rajoutes quoi? Peut-être un moteur. Moi, j'ai pris un moteur pas très très cher, dans les 40 euros. Parce que voilà. Pour l'instant, le servo, il tient pour moi. Donc, il tenait. Parce que j'ai vendu mon Max. Il tenait. Donc, franchement, pas de problème. Voilà, tu arrives à un budget de 700 euros. Ça commence à être pas négligeable non plus. Est-ce que tu veux pas mieux économiser encore 100 euros pour avoir un X-Max d'occasion? Voilà. Donc, maintenant, on va parler du X-Max. Je coupe là, attention, et on reprend la vidéo après. Après, tu as le Hyper MT2. Ou le Hyper MT1,5. Hyper MT2, tu peux t'en sortir pour 700 RTR, hein, 700 à 800 euros.
Le look, je suis pas très très fan. Voilà. C'est juste que moi je me suis fait pour. Ouais, ça coûte un petit peu cher quand même. T'en as pour à peu près 850 euros. Tu as un Hyper NT 1,5, donc qui a un empattement plus court, c'est plus véloce. Franchement, moi j'adore. C'est un peu de mécanique à faire, il y a un peu de bricolage. C'est pas non plus foufou, percé 6 trous, hein. C'est pas un peu un truc de malade. Par contre, je trouve que voilà, en proportion, je trouve que c'est beaucoup plus joli que l'Hyper NT2. Mais on arrive dans la tranche des 800 euros. Et qu'est-ce qu'on a dans la tranche des 800 euros? On a les premières occasions de X-Max. Et c'est là où, juste voilà, quand on veut un MT, qu'on commence à aller dans les gros gestiels, Hyper MT2, c'est un 7ème. Sun Reaper, c'est bon, c'est beaucoup moins cher, c'est un 7ème également. Mais on commence à arriver dans les zones des 800 euros. Dans les 800 euros, vous avez le X-Mass et X-Mass en occasion. Donc faites la balance, hein. Parce que pour ceux qui ont essayé déjà un X-Max et qui achètent un Hyper MT2, c'est pas la même chose du tout, du tout, du tout, et pas forcément mieux. Donc voilà, je vous le dis juste parce que j'ai fait l'expérience. Je voulais un X-Max, mais j'ai fait des petits pas, hein, avant de sauter. Et en fait, à la fin, tu te dis que de toute façon, c'est ça que tu veux, et tu te prends une occasion, et finalement, ça te revient beaucoup moins cher d'économiser, de prendre tout ce que tu veux, que de prendre des petits pas, un truc, un 8ème, un héros. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'était ça, un truc, il y en a un 8ème, un big numéro, et après j'ai sauté le pas pour prendre le truc. Donc des petits pas font que tu perds chaque fois la revente, et à la fin tu veux ce que tu veux. Si tu veux ton Hyper, ton X-Max, bah, tu prends ton X-Max en occasion pour 800 euros, tu arrives à avoir des choses. Bien juste faire très attention, les pièces plastiques chez le X-Max c'est pas très très cher, donc quand vous achetez en occasion, s'il y a des tourelles râpées, un châssis, des trucs comme ça, vous pouvez changer rapidement. Il y a des pièces de dispo et c'est pas très très cher. Par contre, faire gaffe bien à l'électronique parce que le moteur, le vario et la transmission, ça douille. Donc assurez-vous vraiment que tout ça c'est en bonne. Ça marche, ça fonctionne en occasion. C'est sur le X-Max, la transmission électronique c'est hyper important. Le reste, si c'est un peu abîmé, ça peut changer facilement pour peu cher. D'accord? Après, vous avez bah, le 9, le X-Max 9. Qui marche très bien d'origine. Voilà. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, vous prenez votre X-Max. Vous imaginez pas non plus que c'est un truc indestructible de la mort qui tue. Ça demande un peu de doigté. Il y a du poids. C'est pas un truc pour débutants. Si vous allez comme des sangouins là, à vous croire avec un nitro, vous allez exploser les pneus, les mousses. On n'a rien de temps. Vous allez tout bousiller. Ça demande un peu de doigté. Ça demande un peu de feeling. Sinon, vous allez être déçu parce que vous croirez que c'est un truc indescriptible. Mais non, c'est pas indescriptible. C'est juste qu'en pilotant bien, franchement, elle peut prendre des caisses que n'importe quelle autre caisse ne peut pas aller. Il peut pas passer la motricité comme le X-Max, j'ai jamais vu ça, ça passe. Enfin, la motricité, elle passe, c'est un truc de ouf, malade. Les pneus aident grandement. Et je vous conseille, pour moi, les seuls vrais pneus qui marchent, c'est le X-Max, c'est les pneus du X-Max d'origine. Voilà. Le reste, c'est trop lourd, c'est trop balourd, ça tue tout. Bisous, moi aussi! Et donc voilà, et ensuite, après voilà, vous pouvez le brader petit à petit au fur et à mesure des casses. Moi, c'est ce que je ferais si j'avais un œuf. Je le roulerais comme ça, je pète un truc, je l'upgrade par du NPM, les fusées avant-arrière par exemple, les supports de pare-choc, les triangles renforcés si tu pètes trop de triangles, si tu pètes trop de triangles, etc. etc. Vraiment, pour commencer à connaître une machine, faites-la évoluer dans ce sens-là. Donc voilà, pour moi, j'ai commencé avec la meilleure des catégories, qui est le Monster Truck. Voilà, j'en ai trois maintenant. Et je crois que c'est vraiment ce que j'aime. Donc j'ai commencé par celle qui me fait plus plaisir. Et puis on va continuer comme ça, genre pour les truggies, les short courses, les pistes, etc. etc. Histoire, voilà, de vous donner quelques pistes dans les débutants pour ceux qui se perdent un petit peu dans les choix des différents modèles. Voilà, mes idées, mes choix pour cette catégorie-là. Patapouf, il est en train de faire une. Et Jonathan Girard, il est en train de faire une. Il n'a pas parlé du SPI Savage! Non, j'ai pas parlé du SPI Savage parce que c'est pas dans mes choix à moi. Je comprends qu'on peut aimer cette machine, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai déjà un, je ne sais pas essayer, donc je ne me permets pas. Les seules fois que j'ai vu, c'est que ça casse beaucoup. Donc, voilà, je peux pas, moi, laisser
les dire que c'est bien. Voilà. Donc, mais c'est pas, c'est sûrement très bien. Allez demander à Jonathan, les RC Patapouf, si vous voulez un savet, si vous êtes amoureux de la carreau, parce que la carreau est magnifique. Allez-y, moi, j'ai pas de problème, chacun fait ce qu'il veut. Merci les gars, à la prochaine pour la suite. A plus!